Stuff Nunk. The adventure from nowhere and nobody knows why. Oh mais... Oh ce mal de tête, mais qu'est-ce oh, que j'aurais jamais dû abuser sur le punch, il me l'avait dit pourtant qu'il était fort. Oh, c'est quoi ce truc? Mais qu'est-ce que je fais là-dedans moi? J'ai l'impression d'être dans un cercueil encore en vie. Ah! Hello! Mais qu'est-ce qu'il fait déguisé en koala ce type? Eh mais laissez-moi sortir là! Eh, laissez-moi sortir! Y'a un nouveau? Eh pourquoi je suis enfermé là-dedans moi? Encore hein? Regarde! Putain! Bon, laissez-moi sortir! Bah, non, c'est pas drôle! Merci! Quoi? Mais tu es qui toi déjà? Bah, je sais pas, et vous êtes qui? Moi je me suis retrouvé là-dedans! J'étais dans une soirée déguisée, me v'là là-dedans! C'est quoi ce bordel? Ouais? Et vous faisiez quoi vous? Bah, soirée déguisée. Vous étiez tous à une soirée déguisée ici? Ouais. Enfin, pas la tienne, on dirait. Comment tu t'appelles toi? Bah, moi c'est Esco. Et toi, comment tu t'appelles? Hein? Et toi là-bas qui te cache là, il s'appelle comment lui? Je te le dirai pas, j'ai pas confiance. Oh, laisse tomber. Il est débile ou c'est normal? C'est un quoi là? Ok, d'accord. Bon, j'aimerais bien savoir ce que je fais là parce que là ça me fait pas trop rire, vous voyez. T'es déguisé en toi, en quoi là, Escobarix? Bon, c'est une soirée roleplay donc. Et t'as rien remarqué de bizarre à ta soirée? À part la bonne dose d'alcool que j'ai ingurgité, mais sinon. Ouais, moi pareil, j'ai bu du punch et je me suis retrouvé là. Je sais pas si ça. Wow. Et toi, t'es déguisé en quoi? Avec ton kimono noir? Hein? La mort. Ok. Je suppose que l'autre demeuré là-bas, il est déguisé en quoi là, c'est ça? Eh oh! Je suis pas demeuré! Oh, t'es déguisé bon, en quoi alors? Allez, ramène tes fesses. Eh, reviens là, je vais pas te faire de mal, c'est bon. Ouais. Et tu sais que si j'avais voulu te faire du mal, je t'aurais tué à peine sorti de la porte. Vous voyez, c'est un psychopathe, je vous l'avais dit, faut aller faire confiance. Tu sais pas à qui t'as affaire. Bon, on pourrait avancer là un peu? Ouais, c'est parti. Parce que enfin, bon, on est un peu coincé là. Faisons le point peut-être. Je sais pas ce qu'on fait, mais il faut sortir d'ici en tout cas, ça c'est sûr. En tout cas, ça me dit rien de connu. Eh, hey, j'ai trouvé quelque chose là-dedans, les gars. Il y a deux espèces de plaques en verre. Orders for. Professor Tagonist. Mais encore. Locate and apprehend known criminal Dr. Earl S. Testedine. Known to be working aboard one of the many GR7 mining facilities. If subject is under current contract with GR7 mining division, moi aussi je vois. He is not to be removed from this position. Donne l'objet. Enter cryogenic stasis and await contract termination. Wow. La vache. Alors? J'ai rien compris de ce qu'il m'a dit. Dan, je sais pas, il y a une espèce de langue extraterrestre. J'ai jamais vu ça de ma vie, ça existe même pas cette langue. Dan, je suis un pro en langue étrangère. Je vous donne. Ça plutôt. Vas-y, essaye de lire ça. Alors, tu comprends? Alors, d'après ce que je vois, il y a des espèces de mots. Ah, non. Bref. Bon, laisse faire les pros. Comment ça, laisse faire les pros? T'es qui, toi? Pourquoi tu parles comme ça? Faut pas avoir confiance à ça. Regardez, on le met là-dedans. C'est mon métier, je dirais. C'est ton métier c'est quoi ton métier? Laisse-moi faire. Je suis scientifique au centre de recherche internationale atomique. Excuse-nous! Oui, c'est ça. Chance. Tu as des plombiers, je parie, non? Enfin bon. Voyons voir. Science. Ça a l'air comme une science. Technologie très avancée pour un humain, en tout cas. Les gars, ouais. En parlant de technologie très avancée, je crois que j'ai trouvé un levier. Attends, appuie pas dessus. Attends. Recule, tout bien, recule. Vas-y, toi, essaye d'appuyer dessus. Non. Vas-y, appuie dessus, je te dis. Ça se trouve, c'est piégé. T'inquiète pas. Eh, attends. Attends, ça pourrait être quelque chose à l'assaut. Attendez. Attends, viens ici. Il semblerait qu'on soit sur une sorte de station spatiale. À la recherche d'un certain professeur Testedine. Eh, je crois que tes études en sciences, ça t'a monté à la tête. Hein. Station spatiale. Peut-être, mais au moins, moi, je peux lire ce document. Eh, qui et nous... J'ai une question. Imaginons que je m'en foute complètement de ce docteur et je veux juste rentrer chez moi. Comment ça se passe? Moi je dis que faut appuyer sur le levier là-bas. On va avancer, enfin, d'un côté c'est un cul-de-sac qu'on est donc. Koala, appuie sur ce levier. Koala, allez, vas-y. Pourquoi moi? Si jamais tu meurs. Attendez. Scientifique juste devant. Non, attends. Si jamais tu meurs, on dira à tes parents que t'as servi la science. Ça te va? Dans l'honneur? Dans l'honneur. Ok, faites attention, reculez-vous. Rappelez-vous du jour où Koala appuya sur le levier. Yeah! Une porte qui s'ouvre. Il y a une porte qui s'est ouverte ici. Je suis devant. C'est une simple porte. C'est une porte d'ascenseur. Il y a un ascenseur, mais apparemment,
Ouais, l'ascenseur il est un peu bugué là. Tu vas passer ? Pas bugué. Bah mais quel coup. Quel couille, ce mec. Je pense qu'il faut remonter, il y a des espèces d'échelles de sécurité sur les côtés. Ça doit et servir aux techniciens. Il faut pas descendre parce qu'il y a des espèces d'échelles de sécurité. Non. Quelque chose me dit que toi, t'es pas le plus intelligent de la bande. Tu as vite fait me taper sur les nerfs, toi. Ces échelles-là, c'est les techniciens qui s'en servent pour réparer les ascenseurs. Ok, donc pas de détection, pas de... Est-ce que tu peux nous dire ce qu'il y a de marqué sur les murs, là, en langage bizarre ? Ok, donc il semblerait que dans la zone... cryogénie, il y a des gros problèmes dans le stade. Je pense en avis que dans la zone où on était, il y a eu des problèmes. D'où les nombreux cadavres, enfin morts qu'on a vus. Et attends. Elle est tout bien. Tu crois que ça peut se revendre, ça? Je sais pas. Mais revendre quoi? Tu sais même pas où t'es? Revendre, tu penses à te faire de la thune? Non, mais je m'en fiche. Faites attention à ce que vous faites, c'est un laboratoire ici. Hein. C'est un laboratoire, attention. Hein. Et bien sûr. Ah, message important pour professeur Tessedine. C'est le mec qu'on a cherché. Tu nous dis de faire attention que c'est un laboratoire et il y a un mec en koala qui nous suit depuis tout à l'heure, tu trouves pas ça, oui, bon, ça normal? Je suis pas en koala, je suis en humain, je porte un costume. Ouais, admettons. Bon ouais, vas-y, on le prend ce truc là. C'est bon, j'ai ramassé le truc. Fais très attention parce que ce truc là... C'est nucléaire. Hein. Je sais même pas ce que je fous là. Tu veux dire que l'objet que j'ai dans les mains, c'est nucléaire, c'est ça? Exactement, ouais, c'est ça. Et il y a un catcheur qui se lève avec un truc nucléaire. Normal. Je ne suis pas un catcheur, je suis un soldat spartiate. C'est pareil. Il faut le mettre ici, le plug. Hein. Bon, ok. Donc je le place, c'est ça? Moi, c'est dessus. Moi. Stop! Bon, ça devrait ouvrir la porte. Ok. Ça devrait ouvrir la porte. Tiens, ouvre-le, toi. Pose-le, vas-y, on te regarde. Même contrat. Recueillez-vous. Voilà, yeah. Très bien. Allez, c'est parti. Heureusement que okay. J'étais là une fois de plus. Les gars, oula, est-ce que je récupère le truc nucléaire? Ça pourrait peut-être servir pour plus tard. Non, laisse tomber. Oh, laisse-le là, on s'en fiche. Vous avez vu ce truc? Mais c'est quoi ces fleurs? C'est très chaud, parce que là, je viens de voir des panneaux de contrôle, on dirait, qui nous dit que la coque de la station spatiale est en train de lâcher. Station spatiale, bien sûr. Et que tout le personnel doit s'échapper. Ah, tu veux dire la même station spatiale de laquelle on est, c'est ça? Exactement, donc je pense qu'on doit avancer, voir. J'ai l'impression que... Attention, l'ordinateur central est totalement en train de péter, donc je pense qu'il va falloir un peu se barrer. Ça peut expliquer une sorte de... C'est un koala, la mort, un catcheur et un scientifique qui sont sur une station spatiale. Bon, a priori, de toute façon, il n'y a qu'une porte, hein. Bon. Okay. Allons-y, hein, j'ai envie de dire. Allez. Si on crève, c'est pas grave. Capsule bah oui. De sauvetage. Bon, ça c'est pas mal, mon avis, je pense. Capsule de sauvetage, ouais. Ok, équipement. Je sais pas qui a fait cette blague, mais franchement, je la trouve de moins en moins drôle. Attendez, les mecs, vous me faites une blague là. C'est une caméra cachée, elle est où la caméra? C'est des combis spatiales, on dirait. Bon, on les chope, on se la met. Vu que c'est tout ce qu'on personne me fait peur. Moins, c'est réussi. Dites à l'autre macaque qui vient de chercher sa combinaison. Je suis pas un macaque, je suis un marsupial, mais vous foutez moi. Tu te calmes maintenant, ouais, d'accord. Bon, on met nos combis, on sait jamais, je sais pas ce qu'on veut, bon déjà on est... Mais qu'est-ce que c'est gay? Je mettrai pas ça. Je mettrai pas ça. Je refuse de mettre à ton avis, attends, l'autre scientifique là, viens ici. Hein, tu peux lui dire les chances qu'il a de survivre dans l'espace sans cette combinaison? Ok, sans cette combinaison, tu n'as zéro de chance de survivre. D'accord. Et même scientifique, est-ce que tu peux me dire les chances qu'on a d'être dans l'espace? Merci beaucoup. Au moins 75. Mais ta combi, il fait pas chier. Foutez de moi. Au pire, on pourrait l'abandonner là, vous trouvez pas? Oui, c'est pas bon. Quoique, il pourrait nous servir pour la suite, remarque. Ouais. Comment ça? Tiens, le Spartiate, viens ici. Moi? Pose-toi ici, attends. Ah ouais? Je vais là-dedans, là, dans ce truc. Ouais. T'es vraiment sûr? C'est dans les capsules. Mets dans les capsules, ouais. Okay. Ça, c'est ridicule. Ça y est, je suis dedans. Et tu vois le bouton? Tu peux taper pas maintenant, tu attends un peu. Ok, donc j'appuie, c'est ça? Non, pas maintenant. Ok, d'accord. Pas maintenant. Moi, je serai toi, j'appuierai. Quoi là, viens ici. Mais vous allez où, les gars? Pourquoi vous me laissez là? Parce qu'il y a d'autres capsules derrière. Pourquoi ça serait à moi d'appuyer sur le bouton et ça serait pas à l'autre marsupial? Je pense que tu vas crever. Parce que. Bon, allez. Venez dans les capsules, vite, faut qu'on se barre, le bruit commence à augmenter là. Je vais te dire que j'ai été c'est pas bon signe, c'est pas bon signe, faut qu'on se tire. Merci. Est-ce que tu pourrais me passer ton masque? T'en as... Tu vas dans ce truc où j'appuie avant que tu sois dedans, c'est compris?
Non, tu dégages dans ce truc, là... dégage, bouge. Faut que j'aille où? Là, ici, on est. Mais si vous êtes, ici. Non, reviens. Je suis là. Voilà, ici, voilà, voilà, tu vois. Tu vas tout debout, il y a une capsule pour toi. Bon, on est pareil, vas-y, go. J'appuie sur le bouton. Ça va le cramer, là, ouais. Y a des portes qui s'ouvrent, les gars. Ça me dit rien qui vaille, les gars. J'ai pas de bouton, moi, qu'est-ce comment qu'il... ça se fait? Ah, c'est quoi ce truc? Ça pète. Vous avez vu ce truc? Ce que j'ai vu, c'est le Space Mountain. Bon. Mais c'était quoi ça? Je pense que j'avais raison sur l'espace déjà. C'est juste un truc de psychopathe. Mais comment on a pu arriver dans l'espace? Est-ce que vous pouvez me comprendre? J'étais tranquillement devant le petit buffet à manger des toasts et à boire du punch et je me retrouve où? Dans l'espace avec un vaisseau qui explose. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer? Parce que tu crois que t'es le seul? C'est dingue. C'est superbe. C'est superbe. Et l'autre est déjà parti. Et toi, tu restes là, espèce de salmar super. Il y a un message. Et tu restes à côté de moi, toi, ok? Oh, je te parle. Restes à côté de moi. Excuse-moi. Qui es-tu pour me donner des ordres? Tu restes à côté de moi. Je sais pas qui tu es. Tu viens ici. Tu veux me piéger? Tu viens ici. Si je voulais te piéger, je t'aurais piégé dans l'espace, là. Tu serais mort alors qu'il est. Bien sûr, l'espace. Tout ce que j'ai vu, c'est le Space Mountain. Bon, est-ce que Chacha, on est attaqué? On sait quoi ce message? Mais quoi, on se calme? C'est quoi ce message? Donc, j'ai un message d'un certain capitaine John Smith. Enfin voilà. Qui nous dit qu'on a échappé à une attaque. Oui, bah oui. Et que ce vaisseau, une sorte de. On peut aller sur Pangée. Par une planète qui s'appelle Ares, un truc comme ça. Planète qui s'appelle Ares? Ouais, on dirait. Et Ares, genre Ares? Comme dans la mythologie? Écrit pareil en tout cas, enfin, on dirait bien. C'est bon, alors lui. Je pense que ce vaisseau peut nous aider peut-être à rentrer chez nous, qui sait. Ok, vas-y, on te suit. Ok, bon bah, attends, voyons voir par ici déjà. Est-ce que quelqu'un peut dire à cette espèce de macaque de venir ici? Descends. Oh, allez, bon, je suis un marsupial, c'est dans ma nature de grimper sur les objets. Sinon, je me sens mal. C'est pas possible. Bon, par ici, parce que ici, c'est pas, servi, pas lui, très hein. Sûr, je dirais. Vu le feu qu'on voit, donc je pense que de l'autre côté, ça serait pas mal. Okay, est-ce que je peux enlever cette combinaison de gay?
Mais garde ta combinaison, et si on va dans l'espace, tu vas faire comment? Tu vas retenir ta respiration? Je suis pas méchant, mais s'il y a problème dans le vaisseau, là, t'es à poil. Non, je suis déguisé en humain, j'ai un costume. Vous voyez pas? Costume. Moi, je pense qu'on peut au moins enlever le casque, c'est vrai que... Moi, je garde mon casque, j'ai pas envie de mourir. Merci, le scientifique. Ok, bon, par contre, la coque, elle a aussi endommagé Claude, donc je pense que les attaques ont dû peut-être... Ce vaisseau peut-être dû subir des attaques. Parce que, vu on voit l'état du vaisseau actuellement... Vas-y, on te suit. Bon, tiens, on dit une cage à l'ascenseur, là. On tue une question. Bon. On monte ou descend? Passons par là. C'est bon, on arrive. Vas-y, avance. Les gars, il y a un bouton avec écrit Power Reactor. Oula. Ça a l'air puissant. Ceci, t'as un réacteur nucléaire. 3, oui. C'est un réacteur nucléaire, oh, attention. Quoi? C'est un réacteur nucléaire, ça. C'est, je reconnais, parce que c'est un truc qui ressemble un peu à celui où je bosse. Eh, attends. Et toi, le macaque, là, tu fais quoi dans la vie? Pourquoi cette question? Ah, il y a 5 minutes, tu savais pas lire, et comment t'as su que c'était marqué ça? Comment ça, je sais lire, j'ai toujours su lire, je suis un scientifique, moi aussi, je travaille au réacteur nucléaire national, comme lui, là. Ouais, ça sort, si je t'avais vu quelque part déjà. Bon, vrai qu'il y a un éclair, on va voir, ils ont l'air éteints. Bon, on appuie dessus, non? Peut-être pour allumer, vas-y, ouais. Vas-y, appuie. Je vais appuyer, attention. Non, toi, fais-le à ma place, là-bas. Reviens là. Oh, viens appuyer sur ce bouton. Non, j'en ai marre. Viens appuyer sur ce bouton. Il me gonfle. Tu bosses bien dans un nucléaire. Bah, viens. Oui, bien sûr, le truc avec les atomes et tout. Oui, bah, appuie. Ouais, mais enfin, je veux dire, d'habitude, je suis pas comme appuie. Ça. Appuie. J'ai même pas de combinaison. Voilà. Appuie. Ça y est, on a appuyé. Le moche l'a fait. Il se passe rien. Bon, le réacteur doit être déchargé, en avis. Tout ça pour ça. Il y a une porte au fond, on va voir ce qu'il y a là-bas. Ça peut peut-être nous faire. Il faut quoi pour recharger? Il y a deux sorties, on a qu'à en prendre une. Bravo. Bon, il se calme. Faut recharger ça avec quoi? On met des piles, une batterie, non? On fait comment? Un autre message. Eh, vous avez vu, il y a de l'eau. Ouais, okay. Il y a une fuite surtout, c'est que je constate. Ouais, bah les vaisseaux sont endommagés. Et le capitaine de tout à l'heure nous dit que là, côté nous avons une unité BED. Bereft Essential Downtown. Ça permet de se reposer, de nous guérir, on dirait. Attends, on est bloqué dans l'espace, on ne sait pas où, on ne sait pas pourquoi on est là, et toi tu voudrais qu'on s'allonge là-dedans pour se reposer, c'est ça? Ça pourrait toujours utile, on sait jamais. Vous savez ce que je pense, moi? Vous savez ce que je pense, moi? Je pense que ça rêve et que je peux faire tout ce que je... Oh. Aïe. Tu fais mal. Tiens, vas-y, bouge un peu. Et vous pensez vraiment... Attends. Parce que là, vous avez remarqué qu'il y a deux lits qui sont collés côte à côte. Ça veut dire qu'il faut dormir avec quelqu'un, c'est ça? Je dors avec le scientifique. Ah, putain. Ah, ouais. Bon, et pourquoi moi, je me retrouve avec la mort? Vous pouvez me le dire? Parce que c'est pas chier. Un catcheur n'a pas peur de la mort, non? Je ne suis pas un catcheur, je suis un spartiate. Bah c'est la même chose. C'est pas la même chose. Dis-nous en enfer. Voilà, c'est simple, non? Voilà. C'est fini, oui. C'est bon. Possible, tiens. Ah, bon, tiens, cool, il y a des midi-packs. Bon, je vais prendre, comme ça je vais... Eh, moi aussi, j'en veux. Oh, ouais, ouais. Non, c'est moi qui les garde, les midi-packs. C'est moi le chef, ici, ok? Le chef? C'est moi le chef, alors vous me donnez ces midi-packs et tout de suite. Pourquoi tu serais le chef? Bon, c'est celui qui pourquoi ça serait pas moi? Le chef, c'est ça? Toi, commence pas à me chauffer parce que tu vas mourir. Il y en manque quelques. Histoire 2. Et voilà, bon. Bien sûr, moi j'en ai pas. Non, on s'en fout du marsupial. Bah, de toute façon, il fait quoi? Il a juste les poils. Viens alors, viens. Viens, je t'en passe, j'en ai un stock encore. Tiens, vas-y. C'est pas possible, quoi. Et ah, comment je m'en sers? Il y a un truc en vert là-dedans, faudrait peut-être le lire, non? Je l'ai déjà lu pour information. Ok. Eh, tu me dis pas pour information. Eh ouais, le scientifique l'a déjà lu, et pas toi. Ouais. Enfin, non, la différence c'est que je peux on le pourrait lire. Se calmer là, s'il vous plaît, essayer de sortir de cette putain okay. d'histoire. Hein. Quelqu'un trouve une solution dans le coin? Je cherche. Une échelle? Attends, mais par où ton échelle? Ah oui, ok. Bon, bah, on voit déjà. Tiens, toi qui sais grimper partout, on va voir si tu y arrives. Bon, ok, il a réussi. Excuse-moi, tu disais? Ah, pourquoi tu. Comment vous êtes arrivé là-bas, vous? Bah, tu grimpes sur le côté. Faut monter sur l'échelle là. J'ai pas réussi. C'est bien, bravo. Et voilà, tac. Bien joué, scientifique, t'es le meilleur de toute l'équipe. Ah, qu'est-ce que tu veux hein? J'arrive pas à sauter sur ce truc. Attention, pas tomber. Escobarix. Je te propose un truc. On se barre tous les deux, on les enferme. On a pas besoin d'eux.
de toute façon, j'ai l'impression que c'est un petit peu un piège. Regarde, il y en a un qui est déguisé en la mort et il y en a un qui fait pas sa vie à combattre en slip. Mec, t'es en quoi là? C'est un déguisement! Bon, allez, avançons. Attendez, on en a perdu un là. Je suis dans le couloir au fond. Eh, Toubian, c'est quoi ton métier? Métier, moi j'en ai pas de métier. Ok, donc tu nous sers à rien. C'est bon les mecs, on continue. C'est parti. Ah, on a encore la bouffe. Cool. Super, j'avais super faim. Bon bah, je vais jouer sans stock. Je vais voir là-haut, moi. J'ai une fin de l'espace. Ah, notre acteur nucléaire, et je le prends. La Ray Power Core. Okay, apparemment, on est en Corse. Non, c'est une source d'énergie auxiliaire. C'est-à-dire que ça veut dire qu'elle n'est pas utile pour eux. Donc on peut la choper pour... Ouais, comme la Corse. Si tu veux, oui. Donc en plus, tiens, là on voit le réacteur, là, en partie. Ouais, il n'est pas alimenté, ouais, c'est sûr. Ça pourrait nous aider. Peut-être à le remettre en route. Ah hein? Qu'est-ce que tu fous, encore? Hein? Il s'est passé quoi, là? Il s'est fait attaquer. Il s'est fait attaquer, je vous dis. Ça se trouve, c'est comme dans Alien, il y a un métamorphe qui l'a tué. Mais arrête de dire n'importe quoi, c'est pas possible. Mais je l'ai vu, c'est vrai, c'est replay. Allez, cours, avance, on va dire des conneries. Mais de quoi? Mais qu'est-ce que t'as vu? T'as rien vu, y'avait rien qu'est-ce ici. Qu'est-ce qui se passe, Toubian? Bien. C'est pas vrai. Je dis, c'est un alien, c'est un xénomorphe. Mais il est là, regardez. Il va bien là, non? Je sais pas. Hein. Il a toujours pas réussi à sauter ici, l'autre. Et il répond pas, ça se trouve, il est possédé comme The Thing. Moi je me casse, j'ai pas confiance. Pourquoi est-ce que t'aurais pas confiance? T'es vraiment sûr qu'il faut aller jusqu'ici? Je sais pas, il a crié et il ne parle que depuis 10 minutes. Moi je peux pas. Porte fermée là. Comment bloquer? On peut pas l'ouvrir celle-ci. Tu m'as fait sauter par-dessus le vide. J'ai traversé la mer juste pour venir là et la porte est fermée, c'est ça? Bah, il doit y avoir toujours un autre moyen, je sais pas. C'est haut, mais y a peut-être une. C'est une sortie là-haut, tu sais, hein. Allez, bah, t'as intérêt de trouver et vite. Va à gauche, je sais pas, longe le mur là, tiens. Je peux pas longer le mur, si je peux longer le mur, ok. Tu disais, bon, allez, mettons. Qu'est-ce que t'as à rigoler, toi? Vas-y, viens ici qu'on rigole. Tiens, on peut peut-être sortir par ici, ouais. À gauche, y'a quoi à gauche, hein? Ouais, on peut sortir par là. Mais fais de l'autre côté, on va voir, moi je vais ici. Ok. Voyons voir. Eh, hey, Toubian, tu m'en veux pas pour tout à l'heure quand j'ai dit que tu servais à rien. Parce que tu sais, c'était ouais, pour rigoler. C'est hein. Ça. Non, mais c'était pour rigoler, ici. Tu le sais bien. C'est par ici. Ouais, bien sûr. Bon, on y est. T'avances de l'autre côté? Eh, Toubian a trouvé la sortie, vous pouvez lui dire cool. Merci quand même. Cool. Tu parles. Parti, c'est un piège. Il y a une échelle là-bas. Une échelle là, vous êtes en ruine. Ah oui, effectivement, ouais, effectivement. Je veux pas être méchant, mais c'est celui qui grimpe qui est le plus lent. Je veux pas être méchant, mais c'est le plus moche qui parle le moins. Eh les gars, je suis bloqué là. Il y a des conduits d'aération en face. Vous croyez vraiment que je vais sauter là? Mais c'est impossible de sauter jusqu'à là. C'est un peu ce que t'as fait avant. Ah les gars, je crois que je me suis blessé. Ah. Prends un midi-pack, c'est pour tes... Ah, j'ai trop mal à ma jambe. Et qui est passé comme un boss? Quel est le crétin qui m'a poussé? Comme si j'en avais quelque chose. Je suis trop vite, celui-là. Tac, en tout cas, moi, j'arrive à l'échelle. Moi, j'ai l'échelle. Tu penses à me saouler? Tu es un peu gros de voix. Ouais, t'es sûr? Ouais. Il faut que tu prennes le conduit de droite. Ouais, c'est ça. Arrête de me prendre pour un imbécile. Je sais juste le tour au cas où il y avait quelque chose. Bon, les gars. Ok, tu viens? Tiens. Est-ce que tu vois le conduit qui est derrière toi? Esco, c'est un handicap pour nous. Il faut les laisser ici. C'est un handicap qui te fait avancer, couillon. Tu vois le conduit derrière toi? Non, je parle des autres. Les autres sont un handicap. Ah. Avance, on va bien. C'est bon, j'ai réussi à sauter. Rejoins-nous. Esco, je réitère mon offre. On peut les quitter maintenant. Tu as juste un mot à dire. Comment vous êtes montés là-haut, vous, les deux, là? Ah, c'est bon, je suis passé. Et où est-ce qu'on va, après, là? Eh, les gars, vous êtes où? Comment vous êtes arrivés là? J'ai l'impression qu'on traîne. L'autre scientifique, là, tu peux te pousser pour que je saute, s'il te plaît? Mais attendez. Les gars, j'ai trouvé un coffre. Attendez, les gars, il y a quelque chose de grave, là. Vous voyez ces conduits d'aération? Are you... Ouais, est-ce que vous voyez ces conduits d'aération? You got buff
Oh, le scientifique là. Plugs. Et pourquoi personne ne me répond? Et je te réponds, je suis là, c'est juste que tu m'intéresses pas. Alors, est-ce que tu vois ces conduits d'aération? Ouais. Je regardais en là. Et c'est quoi c'est là ces trucs rouges là qui s'en vont là? On dirait du sang. Vous croyez qu'il y a du sang qui passe là-dedans? Non, pas du sang, c'est juste que. D'avoir une sorte de. Peut-être de gaz. C'est peut-être les gaz d'échappement du moteur, peut-être, qui sait. Dans un coffre, j'ai trouvé ça. Qu'est-ce que t'as trouvé? Oh ah, attends, c'est attends. Une plaque en verre, il y a marqué. Are you sure? Donne-moi you ça. You've got donne-moi both ça. Of the power plugs. Donne-moi ça, allez, pile. Et tu peux le dire d'ici. Donne-moi regarde. Eh, hey, tu me le rends après. Ah oui, vas-y, donne. Ok, donc. Cette okay. Station, le méandre. Bon, fond. En tout cas, je pense qu'on est bien parti parce que là, c'est par ici. Tiens, va en face. Et tu gardes le message pour toi? Ouais. Tu veux pas dire aux autres ce que c'était? Étonnant. Comment vous êtes arrivé là-haut, vous? Vous êtes passé par où là? C'est simple, on est pas trop vite. Vas-y, monte le chemin. Ouais, je sais pas. Saute par ici. J'ai trouvé un autre plug. Saute ici. Saute là. Ouais. Et à partir d'où? Bah à partir de la hauteur, tu sautes. Mais je n'arriverai jamais à sauter jusqu'à là-bas, c'est impossible. Tant pis. Toi si je te chope, t'es un homme mort. Un homme? Bon si je regarde par ici. T'as... La seule chose qui m'a fait réussir à sauter jusqu'à là, c'est parce que j'ai pensé que j'allais être trippé en arrivant. Bon, si on se calme les gens, j'ai trouvé des... La santé si vous êtes mal, des bandages et tout. Ouais bah en attendant, il y a l'autre demeuré là qui arrive toujours pas à sauter et qui arrive pas à nous rejoindre. Pardon? T'as bien entendu, l'autre demeuré qui arrive pas à sauter, qui arrive pas à nous rejoindre. Bon ok, t'es là, j'avais pas vu. Bon j'ai trouvé la sortie je crois. Bon et on saute par où là? Par où est-ce qu'on monte? Tiens regarde, remonte là et tu vas à droite et tu montes sur la structure où était le quoi là. Non, voilà. Suis la mort. Suis la mort et après la mort tu rejoins. Suis la mort, oui bah reste pas en face, merci. Voilà, et après tu sais. Bon, je suis là. C'est vachement dangereux votre truc. Bah alors tout bien, on dirait que t'es tombé. Et après on monte par ici. Attaque. Voyons voir ici une sorte de... Il y a un bouton. J'appuie. Attends. 3, ah cool. 2... Contrôle du réacteur. Vas-y, appuie vite. C'est justement c'est là où on doit aller. Yeah. Non, ça s'en vient derrière nous. À ce que je vois, c'est très très scientifique. Ah c'est bon, ok. Voyons voir les points de contrôle. Ok, la charge. Plug 1, plug 2. J'ai déjà entendu plug. Attends, plug, j'en ai. T'inquiète pas. Deux secondes. Je regarde un peu. Ok. C'est bon, j'ai réussi à monter, les gars. Ok, il est pas alimenté le truc et je vais alimenter. Et comment vous rentrez? Je suis bloqué. J'ai plus d'air, j'ai plus d'oxygène, je respire. Ah, ok. Pff. T'as un bouton. Alors, on a peur de la mort? Ok, et tu peux enlever ta combi dans l'ensemble. Peur de la mort. Est-ce que je sais, je regarde. Je garde ma combinaison. Je regarde le contrôle, y'a aucun problème. Eh, vous savez quoi? Je vais bien rigoler au moment où je vais vous regarder vous étouffer dans l'espace alors que moi j'aurai ma combinaison, ok? D'accord. Moi je suis déjà en train de bien rigoler. En tout cas, moi je vais redémarrer le réacteur nucléaire. Attends. Donne-le-moi. Je crois qu'il faut qu'on le fasse en même temps. Comme dans les films, tu sais, où il faut mettre une clé pour déclencher. Ok, vas-y, tiens, prends-en un. Le truc machin. Ok, prêt? Ok, donc normalement ça devrait aller. Attends, donc prêt. À 3 on fait, ok? Ok. Et attendez, ça va pas le tuer l'autre demeuré derrière là? Qui nous rejoint peut-être. Ah, c'est bon, il est là. Va lui ouvrir la porte alors. C'est bon, il va aller assez grand pour le voir tout seul. Ok, il est là. Ouais, c'est bon. Ok, bon, à 3 on allume le réacteur, ok? Ok. Ok. 1, 2, 3. Parfait. Vu le bruit, vu les panneaux, t'en as 60, 70, quoi, 80, 100. Ok, bon, le réacteur est mis en route. Je pense que ça peut nous aider à avoir une source d'énergie qui nous permet d'avoir plus d'informations. Mais qu'est-ce qu'il raconte, bon. J'ai l'impression que c'est un bon petit menteur. Il fait son show. Okay, on va voir. Vous pouvez pas laisser la porte ouverte, Silvio. La porte sur le tout, ça c'est pas de ma faute. Ah, les cartes et l'équipage, hein. Peut-être nous aider, peut-être du monde qui sait. On va peut-être pouvoir faire un petit tour par les douches. Voyons voir. Salle de briefing fermée. Les cartes et l'équipage, et puis quoi encore? Fermé, putain, mais tout est fermé. Mon vous croyez vraiment que s'il y avait un équipage dans ce bateau, on serait là, tourné en rond, à pas savoir ce qui se passe? Mais c'est pas grave. Ah, c'est pareil, fais pas le scientifique, c'est bon. C'est attends, trouve-moi une explication logique. Non, trouve-moi, non, même pas logique. Trouve-moi une explication de ce qu'est ce truc exactement. Vas-y. Ceci est une sorte de vaisseau spatial, je pense. C'est ce qu'ils sont un vaisseau spatial, mais les vaisseaux spatials, c'est à la télé qu'on les voit. Peut-être, mais tu es dedans. Ok, donc. Tu es dans la télé. Et celle-là. Okay. Bon, je pense qu'on se dirige vers le. T'as de la chance que j'ai encore besoin de toi pour est-ce que tu peux servir de chair humaine. Ok, voyons voir. Ok, les panneaux, nanana. Là les gars! Ouais. Mais voir! Qu'est-ce qu'il a encore quoi? T'es parti où là? Je crois que j'ai trouvé la télé.
Super. Okay. Oui, ça s'appelle un bon contrat. Voyons voir. Bon, on prend pas grand chose. Je vais les triper. Je crois que. Bon, on va par là, vas-y, c'est parti. Ouais, il y a ça, ce truc. Il y a pas quelqu'un qui. Non, 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 n'appuie pas. C'est un piège. Il y a quoi en bas? Porte ici. Bon. Super, on est tombé. Oula, oula. Bon, attends, on va jouer en bas. Bien sûr, enfermez-vous tous là-dedans. On peut pas monter là-haut, qu'est-ce qu'on fait? On descend? Aïe. J'ai l'impression que vous êtes piégés, les amis. Mais c'est... attendez. Ah d'accord, ok, super, génial. Qu'est-ce qui se passe? T'es revenu au point de départ. Attends, il y a un truc au milieu là. Comment ça, on est revenu au point de départ? C'est le mec le plus intelligent qui nous a dit de descendre. Ah mais il faut appuyer là, peut-être que maintenant qu'on a enclenché le réacteur, on peut appuyer là-dessus, non? Ouais, tout à fait, ouais. Est-ce que le réacteur est allumé, donc je pense que c'est parce que là, on est exactement. Qu'est-ce qui se passe là? Il est où le quoi là? Peu importe, on continue. Les gars, c'est bloqué ici, c'est fermé. Attends, peu importe. Spartiate, avance par ici. Avance quelqu'un par ici, entend quelque chose? Moi, j'entends rien. Ouais. Les gars. Bon, allons voir ce qu'il y a dedans. Viens. Les gars. Remonte là-haut. Les gars. C'est vraiment pas possible. Avance. Hey, quoi là? T'as peur de la mort? Avance. Toi, tu la fermes ou je t'étripe. Tu parles de ça à quelqu'un, je te tue. Attends, redis, tu viens de me dire quoi là? Répète ce que tu viens de me dire. Allez, on essaie de survivre. Va là-bas en courant et reviens. Va là-bas en courant et reviens, je te dis. Je suis là. Ah, tu m'énerves. Je vais te tuer et tout. Dès que l'occasion vient, je le tue. Il s'en sortira pas vivant ici. Toubian. Ah. Où est-ce que t'es, Toubian? Viens ici. Qu'est-ce que vous faites là? T'as pas l'impression que tu le trouves pas un peu bizarre l'autre là-bas là? Faudrait peut-être s'en débarrasser, non? Oula, je pense qu'on va devoir vite se barrer. Je reçois des messages du capitaine qui me dit que les mêmes vaisseaux qui nous ont attaqué à la base viennent ici. Attends, où est-ce qu'il est le capitaine là? Tu peux le contacter? Il nous parle à travers la plaque. C'est une plaque de réception juste. Il a quitté le navire, ça me rappelle quelque chose. Non, il a jamais été avec nous. Il parle d'un autre endroit on dirait. D'accord, et il faut on partir par où? À bord du Space Concordia. Faut peut-être avancer, on va peut-être sans savoir parce qu'on est là. On dirait. Ok, donc c'est une sorte de salle de contrôle énergétique, on voit le truc là. Il y aurait un contrôle de type ici. Ouais, je l'amène de l'autre côté, ouais. Effectivement. Ok les gars, c'est moi qui appuie sur le bouton. Ok, calme. Il n'y a pas de bouton à appuyer, qu'est-ce qu'il me raconte lui? Mais c'est n'importe quoi. Un bouton à appuyer. Eh, on voit les étoiles là-haut, regardez. Mais c'est moi qui appuie sur le bouton. Donc tu vois, on nous sommes bien en espace. C'est moi appuyer sur les boutons. Eh non, c'est juste en fond vert, c'est comme au cinéma. Ok, voyons voir. Ok, nana, contrôle. Bouton, bah vas-y, okay, appuie. Bon, okay. J'appuie sur tous les boutons. Ok, parfait, comme ça, on met en route les défenses et les moteurs. Une porte. Il y a une porte là. Ok, parfait, vas-y. Allez, monte. Ok, j'y vais. Non, c'est moi qui y vais. Laisse-moi, c'est moi l'aventurier. J'ai trouvé une autre porte. Et pourquoi tu serais l'aventurier alors que moi on m'a pas laissé être le chef? Parce que moi je suis. Genre, il y a un chef dans cette histoire. Et vous êtes sûr qu'il faut aller là-haut, les gars? Mais j'ai un costume. Ok, attends, les gars. C'est à peu près le seul chemin. Je crois avoir trouvé une salle de contrôle. Il y a des quartiers. La salle de commande. Rien de prévu. Les gars. Attendez. Tu n'appuies pas sur ce bouton. Attends, c'est quoi? Il y a écrit quoi? Tu n'appuies pas sur ce bouton. Je sais pas pourquoi, mais le bouton est sur un fond rouge, alors tu n'appuies pas dessus. Tu n'appuies pas sur ce bouton. Je dis pas, mais là on voit les croiseurs qui sont là, les croiseurs ennemis sont là. Donc, scientifique, Doc, viens ici. J'arrive. Regarde. Qu'est-ce qu'il y a de marqué sur les trucs où il est lui là? Pourquoi je peux pas rentrer? Je crois que c'est un rapport avec un ananas. Ce crétin vient de se retrouver tout seul à l'intérieur. Ouvre la porte, s'il te plaît. Ouvre-nous la porte. Si, il peut l'ouvrir, lui, de l'intérieur. Pourquoi je le ferai? Ouvre cette porte. Parce que c'est... Notre survie en dépend. J'ai pas confiance en vous. Regarde dehors. Regarde dehors. Là, regarde dehors. Qu'est-ce qui se passe dehors, hein? Putain de...